Hop, voilà, normalement on est bon, normalement on a le son du jeu. Là, j'aurais galéré les gars. On donne du fil à retordre ce jeu. Ouais, tu es obligé de redémarrer le PC quoi. C'est vraiment bizarre. Hein. Je les ai mis sur la bonne fenêtre, je les ai pas mis sur la fenêtre de stream, si. C'est bon. Bon, on descend la cave. Mais content. Ça me fait plaisir qu'il fasse tout noir en plus. Oui, salut le berceau qui bouge tout seul, ça me fait plaisir. Non, elle a disparu. Salut Christophe. Ouais, comme d'hab, le son qui veut pas se lancer. Normalement, là, c'est bon, vous avez le son du jeu. Comme d'hab, je lance le stream, le son du jeu, il est pas. J'ai peur. Ah! Faut fuir. Je fuis où aussi? Tu veux que je fuis où? Méchant le bébé, méchant. Méchant le bébé, méchant. Pas te voir. C'est impossible, ok. Je sais comment le contourner, ok. Méchant. Méchant, le bébé. Méchant. Méchant, bébé. Thank you.
Tu savais qu'elle serait flippante, cette maison. D'armes, j'ai rien du tout quoi, donc je peux même pas dire avec ma avec mon zboub et mon couteau parce que j'ai que le zboub, j'ai pas le couteau. Je fasse, oh là là, faut que je fasse tout ça. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille par là, que je fasse ce couloir là, que je fasse ça, ça, ça et ça. Je sens que le bébé va être là, c'est sûr. Jouer avec le bébé. Je veux pas jouer avec le bébé. Ouais, c'est plus flippé ce putain de bébé. Hein. Il a son cordon ombilical par terre en plus. C'est qui va arriver là.
Eh non, c'est pas par là, putain. Je vous dis, mon cœur, il part. Je peux vous jurer qu'il bat le cœur. Je suis pas ton papa. Laisse-moi tranquille. Oh, pas le bébé, non. Méchant les bébés, méchant, fais peur à papa. Méchant, pas faire peur à papa. Pas faire peur à papa. C'est pas très gentil. Pas très gentil de faire peur à papa. Ouh! Salope. Salope d'ascenseur. Oh, pas beau bébé, pas beau bébé. Pas beau bébé, pas beau. Méchant. Pas ça, je t'ai puni. Oh putain les gars. Bonjour, vous savez pas ce qui se passe dans le bar. Passe des trucs terribles dans mon corps là. Non, 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 non. Non. Après le bébé, la folle qui rigole. Non, 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 non. J'ai peur. Putain, c'est trop con ça. Eh! Oh, je crois que c'est encore pire que le manoir là. Pas gentil, poupée. Oh, pourquoi j'ai une lumière en 3D? Putain, je le sens pas. Ne pars pas, je te l'interdis. Ah, toujours en vie, hein? Laisse-toi me trouver avant que mes amis ne te tuent. Je suis poursuivi par des poupées. Pourquoi je dois jouer à cache-cache avec des poupées?
cache où elle. Elle peut bien se cacher. Ah, elle est là. Je t'ai trouvé. Rose aussi. Tu lui fais ça, hein? La poupée, tiens. C'est fini. Non, c'est pas fini à mon avis, mon petit pote. Je suis en stress. Bien. Je vais arranger les choses. Hein? Ok. Il est temps de quitter cet endroit. C'est elle qui faisait tout ça. Et de deux. Mes armes. Ah, j'ai retrouvé mes armes. Je t'emmerde. C'était pas long, mais c'était pas bon. Hein. Oh putain, la flip que je me suis tapé, c'est stressant. Ah, déjà le bébé, c'était horrible, mais alors les poupées. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais au fur et à mesure que les poupées, on les voyait pas, mais qu'elles se rapprochaient, on les entendait, quoi. Plus ou moins. C'est. Mon petit cœur de barbu, il en a pris un coup. Pas vous le cacher. Toutou. Attendez deux secondes, je vais regarder un truc. Sinon, ça va à vous de votre côté sur votre siège, tranquille. Vous êtes bon, vous n'avez pas peur, c'est bon. C'est jamais. Hein. Hop, je remets mon retour. Je sens qu'il va se passer des choses. C'est quoi ça?
sais pas ce qu'il faut pour le trésor. À mon avis, il fallait que je trouve quelque chose dans la. Je pense qu'il faut que je trouve quelque chose dans la maison. Oh fuck. J'irai plus tard, on verra ce que c'est le. Je verrai plus tard. Quoi que tu me diras, non, allez. Je pense qu'il faut que je fouille la maison, il y a quelque chose à trouver. C'est pas possible. Il y a quelque chose à trouver dans la maison. Ah, je peux plus revenir en arrière. Bien joué. Je pense que j'avais un truc à trouver. Je vais se balader avec le couteau. Ça fait moins genre j'ai peur et tout. Ouais, enfin, tu me diras, c'est pas tellement non plus. Joli ça. Six cent quarante un sept. Beaucoup mieux ça. Je pouvais bloquer la porte, je vois pas l'intérêt de bloquer la porte. Une boule pour jouer au labyrinthe, mais j'ai plus de labyrinthe. Efficace. Même les bruits quand ils meurent, ça te fout le stress, quoi. Ok, pont suspendu. C'est peut-être là que j'avais été pont suspendu. Je sais plus. Je vais aller par là pour voir ce qu'il y a. Il y a forcément du zombie ici.
oiseau bleu quelque part vers le truc. Photo d'oiseau bleu, elle a été prise où elle a été prise. Ah, mais je sais où elle a été prise. Ben voilà. Ça vaut du pognon, ça. Ah, la clé de la maison. Enfin. Maison du luthier, on a enfin la clé, c'est cool ça. Je sais que vous êtes là. Con du cul. Con du cul, ça fait mal. L'oiseau, normalement, il est par ici. Comment il est placé sur la photo? Photo d'oiseau. Donc, là, j'ai l'hôtel. Ok. Juste derrière ça. Le cimetière, il est où déjà? Le cimetière, il est par là. On va aller voir au cimetière après. Mais non, c'est pas ça que je... La boîte, elle est où? Le bocal jaune, voilà. Doit reconstituer mon enfant. C'est cool. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Heureusement, vous êtes là. Trouvez des ingrédients de qualité et apportez-les-moi. Thank you.
Ah, Mademoiselle Angie. Elle est adorable. Les poupées en porcelaine sont très populaires. Un instant, je vous prie. Je vais pouvoir trouver mon flingue aussi. Il est bon. J'imagine que l'on peut parler d'un adieu aux armes. Oh putain, j'aurais dû garder la viande, d'accord, on peut faire des trucs. J'ai de nouveaux articles pour vous, monsieur Winters. Ça, je peux pas parce que je peux pas les mettre. J'ai pas le flingue encore pour. Le M1911, c'est celui-là que j'ai, je crois. C'est pas celui-là que j'ai. J'ai hâte de voir les fruits de votre exploration. Si, c'est le M. Jetez un coup d'œil, faites à votre guise. Ah ah! Avoir faim. Merci de votre visite. Moi j'ai petit lance-grenade, mais j'ai pas de lance-grenade. Du coup, faut retourner au cimetière. Est-ce que l'oiseau se trouve au cimetière? Il est bien là le cimetière, ouais, il est là. Donc là, ici. Bonjour! Ah, je vais enfin pouvoir récupérer ça. Ah, mais c'est la plaque de l'autre. De la tombe de l'autre. Ah, il est là, l'oiseau. Il est là, l'oiseau. Je sais, c'était barbare. J'ai du gibier juste. Ça, c'est cool. Du coup, il faut que je retourne au truc. Il faut que j'équipe ça. Raccourci. Voilà. Ça, c'est le morceau de la plaque qui me manquait, ça. Ouais, le fameux trésor. Vraiment cool parce qu'il y a vraiment des trucs que tu débloques, tu sais pas trop comment les débloquer, ça se débloque, c'est ce qu'il te fallait, je trouve. Coucou Evie, ça va Evie?
Ouais, David. Ah oh. Pas une viande. Faut que j'aille où pour aller au château déjà. Faut que je fasse le tour de la maison comme ça. C'est ça. Faut que j'aille par là. Et là, normalement, je vais avoir accès au trésor. Oh non! Ah, c'est quoi ça? Tu as ce truc, on est d'accord. Sacré bestiole de merde hein, qui est essayé, bravo. Je vous félicite pas. Hein. C'était ça? Donc ça, c'est encore un truc à... méchant ogre là. Franchement. C'est pas très sympa. Sans son nom, ouais. Bon, ça va, les gars? Affronter le monstre des marais maintenant. Wow, salut. Jetez un coup d'œil, faites à votre guise. Je tente des trucs.
Elle est belle, hein, ce truc. 30 000 sabots. Ça rigole pas. Gibier juteux et gibier. Qu'est-ce qu'il y a dans ses recettes, lui? Que c'est ce que je lui ramène ou pas? Ok. Obtenir de la marchandise et prévenez-moi si vous trouvez autre chose de valeur. Ok, ça marche. Chipote, c'était quoi celle-là? Ça c'est les 4L, ça. Ah, faut que je retrouve, on a la maison du luthier, putain. C'était ici, non, c'était là. Je retourne à la maison du luthier, moi. Maison du luthier, elle est là-bas. Là, je dois prendre à droite. Je crois qu'elle était là, la maison du luthier. Je crois que c'était ça, là. Pas sûr. Alors, il doit y avoir un code quelque part. Vingt-sept zéro neuf dix-sept. Enfin, je crois que c'était ça. Oh, Christophe. Non, c'était pas ça, c'était quoi? Je suis tombé dans un truc. 270917, voilà. 2709. 70917. C'est beau ça. Et donc ce que j'ai trouvé, c'est encore un truc. Ouais, c'est encore un truc à voir. Ouais, j'ai été étonné, hein, je pensais pas. J'ai quoi déjà? Attends, je vais te dire ça. Hop là.
Bon, ça va, mon petit Evie, tranquille. Ouais, franchement, j'aime bien le jeu. J'aime bien le jeu. Il fait des trucs bizarres, le jeu. En fait, c'est pas un truc vraiment où c'est que tu sursautes pas. Mais c'est un truc, t'es en stress. Tu sais, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est fou, des frissons partout, c'est chaud. Ouais, donc, Christophe, le pied de mi. Enfin, le bras, la carte son, je la reçois jeudi. Le micro, le câble du micro et le câblage pour la carte son, je la reçois mercredi. Je suis sur le PC. Et oui. Ah, attention, hein, sur PC. Il est gourmand. Hein. Il est gourmand. Pourtant, j'ai ce qu'il faut, hein. Après, je pense peut-être la carte graphique, parce que j'ai quand même en config, j'ai quand même le i9 9900K. J'ai 32 Go de RAM. La carte, c'est une Gen 2070. Et regardez, je vais vous faire voir. Et j'utilise déjà 5 Go sur 7 Go de mémoire graphique. C'est une 8 Go, une 2070, 8 Go. Mais on peut encore augmenter, hein, sa qualité d'image, on est au max. Mais si je vais là, vous voyez, j'utilise 15 Go en qualité de texture. Si j'utilise 2 Go, je vais ramer, vous voyez. Regardez. En gros, si vous voulez jouer tranquille, tout élevé, faut comment dire, il faut une carte graphique de 8 Go. Parce que là, même si je le mets comme ça, en fait, même si je mets en 3 Go, tu vas voir, normalement je vais ramer avec l'encodage en plus. Normalement je vais ramer. Ah là je rame pas, c'est bizarre. Je rame pas. Y a bien un moment où c'est que je vais ramer, c'est sûr. T'as 8 Go? Nickel. Ouais, Christophe va recevoir son SSD. Ouais, je vous dis, la carte graphique, de toute façon, je vais la changer. J'attends que ça soit un peu plus accessible. C'était pas là. Elle était là à la maison, je crois que c'est qu'on traverse, non? C'est pas ici? C'est pas ici. Ça y est, je me suis perdu. Attends, je suis passé sous le tract. Ah oui, non, je suis. Ouais, je sais, des secondes, je le ferai bien, mais je verrai selon les moyens. Parce que je l'ai déjà acheté une fois. Je t'avouerai que le racheter une deuxième fois, ça fait su, quoi. Si, c'est quoi? Arme du moulin à l'eau. À l'eau, à eau. Ah, mais j'ai rien, en fait. Death Gone, ouais, je l'ai sur PS4, je l'ai déjà acheté quand il est sorti. Ça, je t'avouerai que ça me fait chier de le racheter, quoi. Est-ce que je peux fabriquer des balles? Non, je peux pas fabriquer des balles pour lui. Ah, mais je peux peut-être lui en acheter, je vais en profiter, je vais lui en acheter à lui. Bienvenue. Salut, vieux. Je viens d'acheter quelques munitions de fusil à pompe. Ça te dérange pas? Ah ah! Une bonne affaire!
si je puis m'exprimer ainsi. Ouais, c'est un bon jeu, franchement, il est sympa, il est beau. Hein. Mais là, le racheter. Oh non ah méchant le loup-garou. Pas bon. Méchant loup-garou. Oh oui, bon, ça va comme d'hab, hein, Christophe. C'est... Il va y en avoir de plus en plus, hein. Ça va pas se leurrer, hein. Il y en a qui fatiguent avec ce qu'ils font des... en temps normal, et là... Ils se sont dit, tiens, RP, hop, ça marche bien, il y a possibilité de faire un truc. Ah, désolé les gars. Oh. Ouais, évidemment, j'étais assis ce soir. Ce qui est bien, c'est que GTA 5, ça marche très bien. On n'est pas près de... ça s'use au niveau du RP, donc le temps de patienter avant d'avoir du RP sur GTA 6 pour geeker sur GTA 5 en RP. Merde, sort. Parce que j'ai vraiment envie de suivre les traces de sang. Ça c'est le piège, je suis sorti de là. Passé par là. Je suis déjà passé par là.
Est-ce que je me serais pas un peu paumé, les gars? Ouais, non, j'ai pas vu. Je t'avoue, hein, tu me connais, hein, tu sais comment je suis, ça. L'actualité, je l'assure pas trop. On visiterait pas dehors avant d'aller se faufiler là-dedans. Ah, pour une boule, on va la bien ici. Ok. Ouais, moi, bon, tu sais, je suis moins de tout ça, moi. Ma petite vie tranquillement. Ça c'est stressant quand tu sais pas où c'est que va être la sortie, quoi. Arriver tout et n'importe quoi. Ouais, je le sens moyen. C'est beau en tout cas, les gars. Franchement, il est magnifique ce Resident Evil. Mais en plus, je joue sur mon PC, mais sur Xbox, je veux dire, il doit être magnifique en 4K. Bonjour! Facteur. Oh, oh, il est là, lui. Oh, merde, Miranda. Pour vous,
ferais n'importe quoi. Je me permets de prendre ça? Attends. Qu'est-ce que tu fais avec l'enfant spécial de ma mère? C'est pas sa fille. Oh, tu as quelque chose à dire? Qu'est-ce que t'entends par son enfant spécial? Maman veut récupérer son bébé. Ne fous pas de ma gueule. Attends, je t'en supplie. Si tu prends ça, les autres vont se moquer de moi. Mais si jamais, je fais mieux qu'eux. J'en ai rien à foutre. Attends, encore un petit peu, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Imbécile, tu parles trop. C'est terminé. Tu es pris au piège. Qu'est-ce que tu dis? Ici, c'est mon territoire. Et jamais je te laisserai partir. Putain de taré. Vous êtes prêts? En une soirée avec les 7, 2, 3, 4. Ouais, ça c'est loin de m'arriver, hein, tu sais. Je pense pas à ça, quoi. Alors je ne te laisserai pas la voir. Mais si tu me supplies. C'est à quel moment que ça va nous sauter dessus? Parce que je sais qu'il y a un moment ça va nous sauter dessus. J'en doute pas, j'en ai aucun doute, j'ai aucun doute. Comment on sort d'ici? J'ai utilisé le fusil à pompe. Ouais, partenariat Amazon, ouais, voilà. Au moins, dans mon cas, pour l'instant, ça marche pas au trou. Hein. C'est pas un truc de ouf non plus. Hein. Je veux dire... j'ai demandé, ils m'ont donné, et... j'ai juste rempli les trucs sur Internet. Hein, c'est... Ouais, j'ai plus rien, je peux plus fabriquer de bombes. Ça c'est assez cool que tu puisses prendre à travers les trucs. Ouais, j'ai plus que ça en munitions de
de pistolet, putain, j'en ai usé beaucoup. J'en ai usé beaucoup, la vache. Je suppose qu'il faut que j'aie pataugé là-dedans. Les clés du bateau. Le bateau, il se trouve pas là-bas. Ça va pas ici. Économiser les munitions parce que là... c'est pas comme si on en avait à volonté. Ouais, tu sais Christophe, je sais même pas d'y penser. Je fais mon petit truc, on verra un jour ce qu'il en est plus tard. Là-bas, il y a un coffre par contre. Mais je sais pas pourquoi je le sens mal. Je peux pas y aller. Est-ce que je peux aller dans l'eau? J'ai fait du bateau. C'était quoi?
c'était gros. Hein. Salut à ceux qui sont arrivés sur le live, bienvenue à vous. C'est quoi tout ça? On dirait un poste de surveillance. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre ici? Lâchez-moi! Reste à terre, putain! Ethan, je dois dire que je suis surpris de te trouver ici. C'est Chris. Ce serait dommage qu'il t'arrive quelque chose maintenant. Oui, Chris, bien sûr. T'as tué Mia. Alors bique-moi, finis le boulot! Capitaine, je détecte des mouvements suspects dehors. On ferait mieux d'y aller. Quel genre de mouvement? On sait ce que c'est? Négatif. Mais je crois qu'on est resté ici trop longtemps. Et Miranda le sait. Hein? Hé! Vous avez dit Miranda! C'est quoi le rapport avec... Laisse tomber, Ethan. Vaut mieux que tu t'en mêles pas. Les échantillons, ça donne quoi? C'est clairement lié à la moisissure. Les gars. Bon alors, ça va les loulous? Reste en dehors de tout ça, d'accord? Mais en dehors de quoi? Attention! Voilà. J'ai comme qui dirait un décalage. Ah, attendez. Ah, je peux pas. Attention! Pas très gentil, ça. Gros poisson. Merde, approche pas. Toi, le sortie est sous l'eau. T'es foutu. J'ai pas le temps là. C'est trop tard. Miranda, très fort. Déjà, la cérémonie. Miranda, t'en veux pour me ralentir? Tu fais pitié. Dis pas ça. C'est... Ah oui, j'ai bien. Pas ça. Bien décalage. C'est pas juste. Je devrais être avec elle. Pas toi. Mais de quoi tu parles? Putain, mais c'est quoi ton problème? Je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Oh, bon sang, maman, pourquoi? Bravo! Bravo, t'as tout pété le poisson. Bravo! Et maintenant, je fais quoi? Bravo, le poisson l'a tout pété. Il a dit que la sortie était sous l'eau. Il est là, lui. T'as pas la bière, ta casette, toi? Naturellement. Votre argent. J'ai du nouveau en stock. Merci. Ça fait plaisir.
Je vais m'acheter des petits bâtons, ça te dérange pas? Ah, vous avez hâte d'essayer ça? Voilà, je t'ajoute ça, ça te dérange pas. Je vous souhaite de faire bonne route. Que c'est vraiment intelligent d'aller là tout de suite. Je pense pas. On va aller voir le petit panneau qui allait là-bas. Putain. Voilà. Putain, j'y crois pas. C'est ça qu'il me fallait. Et oui, j'ai rien qui va là-dedans, moi. Dans les chiottes. Donc là au niveau armement ça va, je suis bon. Ouais, les balles de flingue, j'en ai pas tant que ça. J'en ai pas tant que ça. Limite je vais en racheter quelques-unes. Naturellement. Je vois. Autre chose? Obtenir de la marchandise et plus. Merci de votre visite. De rien, je t'en prie. Faire une petite photo. Ça, c'est ma petite technique. Ça, ça doit servir à quelque chose, mais ouf. Un truc, c'est que je peux remettre le courant là. Vraiment. Rétablir le courant. Plateau tournant du moulin. Contrôle des vannes. Ouais. Si on rétablit au courant aussi.
dans l'eau, je suis mort. Tu mords. Je suis mort, t'es... Chaud. Ok. Rouge, bleu.
Mais non. Là, faut que je refasse tout ça. Tiens, bien. Ça va, Tex, c'est pas comme ça non plus, ça va. En fait, c'est l'autre qui se rend. De bombinette. Pêche, on dirait. Ok. Thank you.
Sûr, faut que j'aille par là. Que j'aille par là. Salut mon grand. Est-ce que j'ai des choses à te demander ou pas? Soyez prudent. Puis-je choisir quelque chose pour vous? T'acheter des trucs. C'est un investissement, Ethan. Bonne journée. Ah oui, d'accord, ok, il faut qu'on descende dans ce sens-là. Ok. Le blanc, orange. Blanc, orange. Orange, bleu, bleu. Super. Lâcher une petite bombe peut-être. Lâcher une petite bombe à lui. Sachant que là, quand même, je vais coltiner l'autre. T'as pas des petites bombes chose pour vous. Ouais, des petites bombes s'il te plaît. Bon, t'en as plus, mais on va prendre des bombes comme ça, c'est pas grave. Vous allez faire un malheur avec ça. Merci. Revenez quand vous voulez.
beaucoup de trucs quand même. Dégueulasse. Jusqu'au bout. La sortie est un peu plus loin. Je t'ai peut-être sous-estimé. C'est qui ? Oh, arrête. On s'est vu tout à l'heure. Enfin, peu importe. Ouais, t'es le dernier enfoiré sur ma route, c'est ça ? Tu es tenace, je dois l'admettre, Ethan. Mais que feras-tu une fois que tu auras les quatre bocaux ? Où tu veux en venir ? Je pourrais te donner un coup de main. T'essaies de m'amadouer ? On ne fait pas trop le malin. Je te tuerais si tu n'en valais pas la peine. Il y a une forteresse pas très loin du village. Vas-y et prends mon bocal. Fais ça et tu auras mon respect. D'abord, retourne au cimetière. Ouais, pauvre connard. Tu
Tic. T'as raison de dire pauvre connard. Franchement. Qu'est-ce qu'il y a ça? C'est quoi ça? Cadeau. Ce truc est vivant? Qu'est-ce qui est bon cet ascenseur? Je vais pouvoir me faire les pieux aussi, ça c'est cool.
J'ai pas ce que le finit, Benjamin. Alors, vas-y, on peut essayer. La grosse bête. Allez, file. J'ai bientôt fini. Allez, file. File, mon petit loup. Il y a un trésor ici. Ça, c'est beau, ça. ...1700 en puissance. Ah, y'a beaucoup de photos quand même. C'est bon, j'ai trouvé le... J'ai mal, hein. Je sens le truc. Du coup, il faut que je repasse par rapport à là. Regarde s'il y a des trucs que j'ai pas pris encore ici. Non. Toujours pas la clé pour ici avant. Toutes mes excuses. Oh, j'arrive. J'ai du nouveau en stock. Excusez-moi. Voilà. Tout. Des trucs à vendre, ouais, ça. Oh, ça vient de Lord Moreau.
C'est sans doute ce que l'on appelle la beauté du grotesque. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Excellent choix. J'imagine que l'on peut parler d'un adieu aux armes. Je vois. Autre chose ? Ne faites pas attention à moi. À la prochaine fois. Ah, mais c'est des palpes pour Magnum. Putain. Mais oui, c'est des palpes pour Magnum qui me faut là-dedans. Faites attention de ne pas gâcher vos munitions. C'est pas du tout ça. Puis-je choisir quelque chose pour vous ? Ah, le con. Faut que j'achète une flingue. Manger, c'est vivre. Merci. Pourquoi j'avais des boîtes de Magnum, je les ai utilisées. Ouais, ok. Bon, bah, pas se faire avoir, c'est vrai que c'était une munition de Magnum qui est bon. Merci de votre visite. Bienvenue, Ethan. Est-ce que tu vends des petites potions ? T'en as plus des petites potions ? Nous nous reverrons bientôt. Ça. Par ici. Thank you.
fait. Comment est-ce que j'ouvre ça? Sous-titrage
Petite machine à écrire, on va pouvoir sauvegarder. On va ranger ça, c'est un peu le bordel, non? C'est sûrement leur repère. Thank you.
Je m'en sors plutôt bien. Hein. Des munitions normalement pour le bagnole. Ouais. Gardez pour une occasion spéciale. Pas trop envie ce brûlant. Voilà. C'est qu'il y en a beaucoup. Mais j'ai pas de lance-grenade, putain, j'ai pas trouvé le lance-grenade, je crois que c'est ça. Je crois qu'en fait c'est ça que je me suis fait avoir, c'est que j'ai pas fouillé assez, j'ai pas trouvé le lance-grenade. Je pense. J'ai explosé la gueule. Je vais défoncer la gueule, les gars. Bon bah maintenant ça va être elle qu'il va falloir que j'affronte. Ah non, c'est le loup-garou, je crois. Quel spectacle, Ethan. Bien joué.
Pas la peine de te gâcher. Toi, je te jure que je vais t'avoir. Détends-toi. Encore un petit effort, et c'est terminé. Je vais t'aider. Alors, en échange... En échange, tu veux quoi? D'abord, viens me rejoindre. Mets tous les bocaux dans l'hôtel, et je suis sûr que tu sauras quoi faire. À très vite, Ethan. C'est un truc à rendre. Il y a rien d'autre à récupérer. Ah, on est tranquille dans notre petit bateau, dites donc. Et pas cette clé aussi là. C'est ça. La clé pour moi. Un autre chemin aussi. C'est un grand plaisir de vous voir revenir vivant. Pardon, que tu crois, toi? Puis-je choisir quelque chose pour vous? Ah ah! Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. Merci.
Ne faites pas attention à moi. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Quoi? Ah, ça y est, c'est terminé. Avec plaisir. Merci de votre visite. Le combat final là. Oh, le foot là, je sais pas si j'ai pas confiance. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je pense que j'aurais dû aller voir dans les puits tout ça.
Allez, Phil. Salut à ceux qui arrivent. Bienvenue à vous. Allez, chut. Petit bonhomme. Ce qu'il faut, j'étais bombe. T'inquiète pas pour la gamine, Ethan. Tout ira bien. Ah ! Allez, dépêche-toi de traverser le pont. Ah ! Ethan Winters. Bienvenue. Je n'imaginais pas que tu survivrais à Donna et Moreau, mais je suppose que tu en as vu d'autres en Amérique, n'est-ce pas? Je t'aime bien. J'aimerais discuter avec toi de Rose et de Miranda. Allez, entre! Ne t'en fais pas. Ce n'est pas un piège. Qu'est-ce que tu prépares? Mia ? La vérité fait mal. Laisse-moi deviner. Tu comptes m'éliminer comme les autres, comme ça tu pourras sauver Rose, c'est ça? Je veux guérir ma fille. Écoute, tu es à côté de la plaque. Je suis en train de parler, là. Arrête-moi ce boucan ! Désolé. Assieds-toi. Écoute, Ethan, on te mène en bateau. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois que c'est un jeu? J'ai dit assis! La grognasse avec son gros cul. La folle avec sa poupée. Et ce monstre débile. Tu saisis pas. C'est un test. Pour voir si t'es assez fort pour rejoindre la famille de Miranda. J'ai aucune envie de faire partie de sa famille. J'étais comme toi, mais voilà. Et je suis le prochain, c'est ça? Tu me tues et tu prends ma place? Allez vous faire foutre! Et si tu savais comment je m'en tape de tes problèmes? Tout ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Moi aussi. Tu as une idée du pouvoir que détient cette gamine? Même Miranda en a peur. Je te jure, du coup, c'est la dernière fois! Salut à ce carré. Toi et moi, Ethan. Bienvenue à vous. Ensemble, on sauve Rose. Et on l'utilise pour réduire Miranda en miettes. Ma fille n'est pas une arme. Va chier! On va se coltiner, à mon avis. Dernière chance. T'as pas envie de savoir ce qu'il y a dans ce trou? Je prends le risque. Tu l'auras voulu. Thank you.
pas, putain! Un cul-de-sac! C'était pas comme ça. Ah putain! Un cul-de-sac. Pas le choix. Encore le gros, hein. Là. Bon, normalement, je voulais arrêter avant, mais je suis tellement hype par le jeu. Putain, je suis où là? C'est quoi ce truc? Il faut que je remonte. C'est quoi cette usine là? Bienvenue, j'ai sûrement quelque chose pour vous. Bon, vas-y, toi. Allez-y, n'hésitez pas à jeter un œil. Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. C'est pas grand-chose. Ah, le lance qu'on a depuis tard, 100 000.
fait. J'imagine que l'on peut parler d'un adieu aux armes. Ça c'est quoi? Un choix intéressant. Je vous souhaite de faire bonne route. Quoi pour fabriquer les grenades? Ça, c'est les incendiaires. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est sûrement ce qui verrouille la porte. C'est là. Pourquoi j'ai l'impression qu'on va revoir Tête d'Hélice? À mon avis, il va falloir faire ça, s'échapper avec le truc pour aller là. Ça, je me sens bien comme ça. Un truc là-dedans.
prendre une petite prostache. Voyez comme j'ai confiance. Du coup, c'est quoi? Ça semble utile. C'est ça. Que c'était ça qu'il fallait faire. Ah mais merde. C'est possible ça. Bon, ça va tout le monde. Alors, je peux confectionner des trucs. Qu'est-ce qu'on va confectionner? Ça encore.
Salut à ceux qui arrivent, bienvenue à vous. Toutou, va aller par là. Retourne à la fonderie. LT plus A pour changer de munition. Okay. Ça peut servir. Est-ce que c'est ce qui manquait là ou pas? Comprendre cette humiliation. Contrairement à mes frères et sœurs, tout ce que je veux, c'est me libérer de cette connasse. J'ai donc besoin de puissance. Assez de puissance pour pouvoir l'anéantir. Est le fruit de ma puissance. Les forts écrasent les faibles, ainsi va le monde. Tu n'aurais jamais dû me dire non, Ethan. Quel taré! Thank you.
après, je pense que ça va être pour les animaux. C'est bien, ça en prend. C'est là que t'as rejeté. C'est ici que j'étais tout à l'heure. Beaucoup de munitions pour un petit flic. Quand même, tu vois, il est quand même dur à tuer, hein, ce bâtard. Pas évident à tuer, au final. Oh.
Ah si, je peux me sauver. Putain, je peux me sauver. Non, je peux me sauver. J'avais pas vu que je pouvais me casser. Ne pas le combattre, c'est impossible de le combattre, putain. Cassé. Cassé le monsieur. En sécurité, si jamais. Grâce à votre soutien sans faille, je propose de nouveaux services. Bienvenue, Ethan. Merci. Vous n'avez pas mieux à me proposer. Je suis propose. Eh oui, t'es une belle mitraillette, mais bon. Le problème, c'est que... Mais 200 dégâts, 160, mais 180 000, manque 100 000, quoi. Je pense que même en vendant le snipe, on pourra pas l'acheter. Donc 102 000, donc 52 000 le snipe. Imaginons que je vais revendre le fusil snipe, ça me fait 65 000. Ça me fait pas assez. Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés, et je le fais pour une somme modique. Je vais pas me faire chier avec ça. Ça c'est la tête avec ça. Un instant, je vous prie. Améliorer la puissance de ces armes-là. Merci de votre visite. Bon, on a encore du chemin à faire, hein, les gars. Bon, on va s'arrêter là, on a fait une petite sauvegarde. On verra la suite, demain, les gars. Demain, les loulous. Ah, c'est pas mal, là. On a fait pas mal. Hop. Voilà.
Bon, normalement, je suppose que demain, ça sera la fin du jeu, hein. Je pense que ça sera la fin du jeu demain. Pam, 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 pam. Bon, en tout cas, merci pour ceux qui sont là, merci d'être là. Donc demain, ouais, demain on va se continuer ce Resident Evil. On va le torcher jusqu'à la fin. De toute façon, alors je suis pas sûr que ça soit le dernier. À mon avis, je pense que Machine là, c'est la dernière, c'est le dernier boss. Je pense que lui, c'est l'avant-dernier. Lui, il veut se rebeller contre l'autre et tout ça, donc on va voir tout ça. En tout cas, c'était cool. Et merci pour tous ceux qui sont passés. Alors, petite information, voilà, un petit flash d'info, les gars, je bois un petit coup, je dois vous annoncer un truc. Alors, attendez. Il faut que je vous mette l'image. Je vais mettre une image là. Hop. Alors, j'ai commandé un truc. Alors, pof, image. Je vais où chercher l'image? Paf, 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 bureau. Hop. Voilà. Pas sur ma tronche. Donc voilà. Donc là, je vous fais voir en grand. Donc j'ai commandé du matos pour upgrade le comment dire le setup son. Donc comme vous voyez, j'ai commandé un micro, donc un Shure, le câblage. J'ai commandé une carte son, une Scarlett, une troisième génération, un bras pour le micro et puis la connectique pour la carte son. Donc voilà. Donc je reçois les premiers éléments du bas, donc le micro, le câblage mercredi, la carte son et le bras, je reçois jeudi. Donc normalement, d'ici vendredi ou ce week-end, on va upgrader le son. Parce que actuellement, ben voilà, je vous fais voir si je peux lever sans faire de conneries. Donc là, ben non, ça ne se voit pas. Donc voilà, là je suis avec mon micro Rode, qui est un très bon micro. Mais il est tombé tellement de fois que j'ai quelques soucis avec. Donc voilà, donc là on va passer sur quelque chose de plus sérieux au niveau du son. Voilà, donc là ça va être mieux quand même. Donc on va passer vraiment sur du bon matos, pas de micro USB, donc un micro en XLR. Et comme ça, franchement, ça va être cool. Donc là, ouais, mercredi, jeudi. Le temps de faire les réglages et tout. Peut-être pas vendredi, je vais vous stream avec le nouveau setup son, mais sûrement ce week-end. Donc voilà. Donc il y aura un meilleur son, il y aura vraiment. Je pense que ça va faire la diff. Après, pour le setup son, il manquera plus que le casque. Mais le casque, je veux un meilleur dynamique. Et le problème, c'est qu'en ce moment, ils sont en rupture de stock partout. Là, je vous avoue que là, le setup son, en total, j'en ai pour 300 euros. 300 les poussières. C'est que le casque vaut presque 200 euros. En ce moment, on peut le trouver pour 250 euros, mais je vais attendre. Arrêter de mettre des sous dans la poche de ceux qui abusent sur les prix par rapport aux ruptures. Et puis voilà. Donc voilà, c'était la petite annonce que je vous fais. Donc d'ici ce week-end, normalement ce week-end. Nouveau setup son au niveau du micro. Après, au niveau du casque, bon, pour vous, ça changera rien. C'est surtout pour moi, pour le confort. Alors, sachez que ce casque-là que j'ai là, c'est un Sennheiser. Donc, ça fait des années et des années. Celui-là, je sais même pas si ça fait pas au moins 6-7 ans que je l'ai. Il marche toujours, il fonctionne toujours nickel. Il commence à se dépiauter. Et encore, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Là, il n'y a plus de cuir, c'est plus que. Et voilà, quoi. Donc, voilà la petite annonce. Donc, upgrade du setup son. Et puis, bah, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis demain, on se fait là-bas. Théoriquement, et j'espère, la fin du game. Et puis, bah,
Bah voilà quoi. Bon bah bisous et à demain. Merci en tout cas à tous ceux qui sont passés. N'hésitez pas à vous follow, n'hésitez pas à vous abonner. Vous follow c'est gratuit, vous abonner c'est payant, c'est à votre guise. Mais si vous avez Amazon Prime aussi, n'hésitez pas. Vous allez sur Prime Gaming, vous associez votre compte Amazon Prime et vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement. Alors si vous n'avez pas de compte Amazon Prime, que vous avez un papy, une mamie, quelqu'un dans votre entourage qui a Amazon Prime, mais qui va pas sur Twitch, n'hésitez pas à demander aussi. Vous, ça vous permet de faire des choses, quoi. Donc n'hésitez pas à demander à vos amis, faites avec eux, hein. Vous reliez votre compte Twitch sur Prime Gaming et avec ça, vous pouvez vous abonner gratuitement, profitez-en. Vous, ça vous fait un abonnement gratuit et nous, streamers, ça nous aide, ça nous fait un abonnement supplémentaire et pour vous, ça vous coûte rien. Donc comme a mis Rosia, le lien Amazon, vous le trouvez dans les descriptions de mes vidéos YouTube, des rediffs. Et vous trouvez aussi un onglet Amazon dans la bio de la chaîne. Donc c'est tout simplement, qu'est-ce que c'est le lien Amazon, le partenariat? C'est en fait, vous cliquez sur mon lien, vous faites des achats, ça ne, y a rien de plus, vous ne payez rien de plus, vous n'avez pas de code de réduction, mais simplement sur tous les achats qui seront effectués, je toucherai une commission, alors elle est minime, hein, il en faut un... pour toucher, mais voilà, c'est un petit truc sympa qui peut aider, sachant qu'on commande beaucoup sur Amazon. Alors, bien entendu, moi, je suis en Amazon Prime, donc voilà, je peux pas commander des trucs sur mon compte, hein, les gars. Mais n'hésitez pas, si vous commandez sur Amazon, passez par mon lien et voir en plus si ça fonctionne. N'hésitez pas à le dire quand vous passez sur live. Tiens, j'ai utilisé ton code sur Amazon, comme ça, moi, je vois si le lien que j'ai mis est bon ou s'il faut que je mette des liens par article, ce qui peut être chiant. Et n'hésitez pas aussi à venir sur le Discord de la chaîne. Comme ça, vous avez une notification dès que je lance le live. Voilà, n'hésitez pas, le Discord, il est dans la description de la chaîne. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous dis à demain et puis bisous, bisous, ciao!